Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà une petite vidéo en fait assez cool, assez sympathique. En fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est Mia, voilà, qui est avec moi. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'elle était à côté, vous le voyez. Bonjour. Voilà, d'ailleurs, il y a aussi Doudou qui est là. Je crois qu'il y a un peu toute la famille. Il y a Poulette qui tient la caméra. Salut tout le monde. Et il y a Nini. Voilà, Oslo aussi. Il y a un peu tout le monde, je crois, pour cette vidéo. C'est une vidéo familiale. Non. Pour revenir un peu plus au sujet, en fait, l'équipe, voilà, il y a Mia, comme vous savez, elle regarde pas mal de vidéos sur le téléphone portable et tout. Et l'autre fois, elle est tombée sur une vidéo de Neo et Swan, parce qu'elle les regarde très, très, très souvent. Elle aime bien leurs vidéos, tout ça, elles sont marrantes et tout. Et elle avait un concept, en fait, une vidéo qu'elle regarde beaucoup en ce moment, c'est flotte ou cool. Avec des objets qu'ils ont fait, c'est un petit challenge. En fait, c'est vous choisissez plusieurs objets et vous les mettez, en fait, soit ça coule, soit ça flotte. Il faut deviner, et en fait on s'est dit pourquoi pas le faire, c'est Mia qui nous a proposé. Donc on a pris plein de petits objets de la maison, elle a pris des objets qu'elle, elle voulait. Moi j'ai pris des objets que je voulais, donc Poulette va vous les montrer un petit peu plus en détail. Allez, on va commencer par ceux de Franck. Il s'est choisi, vous voyez bien, un petit vernis, un pop, le petit loup bleu, c'est une petite, comment on appelle ça? Une marionnette, on met le doigt dedans. Marionnette. Une petite marionnette à Mia, vous avez un boîtier à lunettes, vous avez un déodorant, une brosse à dents, un gobelet en plastique. Et ce que vous voyez ici, c'est une lampe. On n'a pas mis le bas pour ne pas l'abîmer non plus. Une petite chaîne. Et une petite chaîne. Et un téléphone portable. Voilà. Un vieux téléphone. Et voilà, pour Mia, elle a choisi un briquet, une règle, une petite pince à cheveux en forme de fleurs. Un œuf, une petite cuillère, une boule de Noël, un petit Playmobil. Des lunettes, un livre, je crois. Ah, et puis ceci, c'est un peigne pour les animaux, voilà. Donc voilà l'équipe, on a choisi tout ça. Et en fait, le concept, c'est quoi? Je vous laisse Poulette vous expliquer. Alors c'est simple, on va commencer par la plus petite, Mia quand même. Voilà. Elle va prendre un objet et en fait, elle va devoir dire avant de le mettre dans l'eau si c'est un objet pour elle qui va flotter ou si c'est un objet qui va couler. Et donc à la fin, on comptera les points pour voir qui a été le meilleur. À toi Mia de commencer. Donc, tu commences par quoi? Ça coule ou ça flotte? Ça coule. Tu penses que ça coule? Oui. Ok. Ça flotte. Ah non, là il est où là? Il est dans le fond. Donc il a coulé. T'as gagné. Ouais. Donc un point pour Mia. Et voilà. Pour l'instant, zéro pour papa. Donc papa il va choisir au début. Moi je vais prendre la petite chaîne. Est-ce que ça coule ou ça flotte? Alors, est-ce que ça coule ou ça flotte? Moi, je dirais que ça... Je dirais que ça coule quand même, avec le pendentif. Moi, je dirais que ça coule. Oui, le quoi? Bien joué. À toi, Mia. Tu as choisi quoi? Le briquet. À ton avis, il coule ou il flotte? Il coule? Il flotte. Tu as perdu. C'est vrai que moi aussi, l'équipe, je ne vais pas vous mentir, j'aurais pensé qu'il aurait coulé. Ouais, moi aussi, je pensais qu'il allait couler. Je pensais que ça coulait, un briquet, ben vous avez vu, en fait, il flotte. Donc à papa, qu'est-ce qu'il va prendre? La brosse à dents. Allez. Ça coule ou ça flotte? Ben c'est... Allez, ça flotte. Allez, c'est parti. Eh oui! Ça flotte. Bravo. 2 pour papa, 1 pour Mia. Mia, qu'est-ce que tu as choisi? Les lunettes à papa. À ton avis, elles coulent ou elles flottent? Elles coulent. Tu crois? Eh ben non. Et si, elle a raison, ça coule. J'aurais pensé que ça flottait. Ça flottait. Bravo, les Mia. Les lunettes, ça coule. Ça coule. Donc alors, moi, qu'est-ce que je vais choisir? Ça. Alors ça coule ou ça flotte? Alors moi, je dirais, ça flotte. Mais en fait, suivant comment il va tomber dans l'eau, il peut couler. Ah non, non. Ça coule ou ça flotte? Ça c'est une arnaque en fait, je me suis arnaqué tout seul. Parce que si je le mets comme ça, ça rentre, ça coule. Mais si je le mets comme ça, il flotte. Alors moi je vais dire qu'il flotte. Mais je vais pas tricher, je vais le mettre comme ça. Il flotte. Eh oui, il flotte. Eh ouais, il flotte. À toi, ma fille. Tu choisis quoi? Ma reine de neige. Alors à ton avis, ça coule ou ça flotte? Ça flotte. Alors? Ça flotte. Bien joué. Voilà, parce que je tenais à préciser, l'équipe, en fait, on a pris plusieurs objets qu'on avait dans notre maison.
Voilà, Swan et Néo, eux, ils avaient fait spécial école. Nous, on l'a fait avec des objets comme ça qu'on trouve dans notre maison, des objets du quotidien. C'était une petite parenthèse. Et ensuite, je vais prendre boîtier de lunettes. Alors, ça coule ou ça flotte? Alors ça, moi, je pense que ça flotte, mais je pense que ça flotte. Allez. Eh ben non, ça coule. Eh ben non, ça flotte. Eh ben non, ça flotte, regarde. C'est au-dessus de l'eau. Tu vois, j'aurais pu dire que ça coulait puisque c'était lourd. Mais ça flotte. Bien joué, papa. Comme quoi, des fois, on est vraiment surpris. Allez, à moi. Tu choisis quoi? Le livre à maman de cuisine. Ah bah oui, pardi. Il faut bien prendre quelque chose. Alors, je tenais à dire l'équipe aussi, voilà, ce qu'on a pris dans la maison. Par exemple, ce livre. Voilà, c'est un ancien livre. Hein, ouais, il lui manque la moitié des pages. Oui, on prend pas voilà des trucs tout neufs. Allez, alors, ça flotte ou ça coule? Ça flotte. Bien joué. Raison, bon, moi, ça flotte. Moi, je te jure, j'aurais dit que ça coulait. C'est vrai? Bah, c'est du papier. Ouais, mais il y a du carton autour. Je sais pas. Non, ça flottait. Moi, j'aurais dit que ça flottait aussi. Moi, j'aurais dit que ça coulait. Parce qu'il est lourd, hein. Ouais, je sais pas. Mais bravo, bien joué, Mia. Allez, je prends la petite peluche. Je pense que ça flotte. Ouais, bah oui, c'est une petite peluche. Tu vois, j'avais raison. J'en étais sûre, ça flottait. Oh non. Ouais, mais si tu la laisses au bout d'un moment, va. Peut-être un bibé d'eau, elle va peut-être couler. Parce qu'elle va devenir lourde. À moi, le Playmo. Il coule ou il flotte? Il flotte. Bien joué, j'aurais dit qu'il coulait. Moi aussi. Ah, mais l'équipe pensait qu'un Playmobil, maintenant ça flotte. Ce challenge, il est vraiment pas mal. Franchement, il est assez sympathique et tout parce que. C'est assez sympathique parce qu'il y a des objets que franchement, j'aurais cru qu'ils coulaient ou qui. Ça a fait l'inverse. Franchement, c'est. Moi, le Playmobil, j'étais convaincue qu'il allait couler. Alors, moi, je vais prendre le vernis. Ben, ça, l'équipe, à mon avis, ça coule. Hein. Vu comment c'est lourd et en fer, ça coule. Ouais. Ouais, il a coulé. Ouais. Ça coule et ça flotte. Mais ça casse. Donc il a coulé. Ah oui, il a coulé net lui. C'est le poids. Qu'est-ce que tu as choisi? Ça. Une petite fleur. En fait, ça, l'équipe, c'est quoi? C'est une fleur à pincer. Voilà. Ça, en fait, c'est pour mettre dans les cheveux. Maman, quelle beauté! Je l'ai eu au rond du roi, ça, l'équipe. Ouais. Ouais. Allez. Allez, ça coule ou ça flotte? Ça coule. Ah non, ça flotte. Mais non, ça flotte, c'est tout léger, ma biche. Ah, ça flotte, mais. C'est pas grave, mon cœur. Déjà, je pense que tu t'es pas beaucoup trompé. Alors moi, je vais partir sur le Pop Street Fighter. Alors ça, moi, je pense que ça flotte. Mais moi, je pense que ça coule. Comme c'est du plastique léger, toi, t'en penses quoi? Ça flotte ou ça coule? Ça flotte. Allez, c'est parti. Comme papa? Ça coule. Ça coule. Oh, l'arnaque. Je me suis fait arnaquer sur ce coup-là. À moi. Tu choisis quoi? Ça coule ou ça flotte? Mais ça flotte, hein. Ben non, ça coule. Donc voilà, ben pour l'instant. À papa. À papa de jouer. Allez, le déo. Ça coule ou ça flotte? Ça flotte. Oh, ça rentre pas dans le bac. T'aurais. Moment de solitude. T'aurais pris le déodorant de maman. Eh oui, t'aurais dû prendre le mien, le mini déodorant compressé. Excusez-nous, petite parenthèse. Voilà, ben l'équipe, celui-là, il est hors jeu. Et non, ça te fait un point en moins. Moment de solitude. T'as perdu un point, fallait choisir un objet qui rentre dans la gamelle. La brosse à chien. Réfléchis bien, ça coule ou ça flotte? Ça flotte. En plus, elle a raison. En plus, elle a raison, ça flotte. Moi, j'aurais dit que ça coulait. Ouais, mais c'est pas parce que le bac, il est... Non, c'est du plastique. Ah ouais, ça flotte. Et ouais, ça flotte. Bien joué, chérie. Allez, à moi. Le téléphone portable. Bon, l'équipe, comme je vous disais, c'est un vieux téléphone. Comme vous voyez, il est cassé. Il marche plus. C'est pour ça qu'on prend ça. On n'allait pas prendre un dernier téléphone. Alors ça, moi, je pense que ça flotte. Moi, je pense que ça coule. Ben non, ça flotte. Eh oui, t'as qu'il n'est pas un bébé d'eau, il flotte. Bien joué. Bien joué. Donc voilà. Allez, ma fille, ton dernier objet. La boule. À ton avis. La boule de Noël. Elle coule ou elle flotte? Eh, bravo! Tu peux dire merci, maman. Ah, ils ont triché! Ah, ils ont triché, il y a un arnaque. Bon, l'équipe, ça coule ou ça flotte? Ben, moi, je vous dirais, ça m'en tube. Ni ça coule, ni ça flotte, parce qu'on est dans le même problème. Tu t'es trompé.
Mais ça, je pense que ça flotte, ça. Non, ça coule, c'est énorme, c'est lourd. Ah ouais, c'est lourd. Peut-être que ouais, ça flotte, on ne sait pas. Et ça, on ne saura pas, il faudrait prendre un bac plus grand. Donc l'équipe, on va compter les points. Combien t'as de points, Mia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et papa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a le même nombre. Ex-aequo. Ex-aequo, mais comment j'ai gagné? Alors, mais non, on est ex-aequo. Alors comment on fait? Il faut vite trouver un objet, tous les deux, pour qu'on finisse l'équipe, on va faire ça comme ça, pour au moins qu'on égalise, au moins savoir qui c'est qui a gagné quand même dans cette petite vidéo. Alors vite, on va trouver deux objets. Allez, c'est parti. Non, pas cela. Ma chérie, t'as la boule là-bas derrière. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé. Moi, j'ai pris ça. L'équipe, c'est une décoration. Et toi, c'est la balle du chien. Qui c'est qui commence? Ça coule ou ça flotte? Ça coule ou ça flotte? Ça flotte. Bien joué. Papa, ça coule ou ça flotte? Ça coule. Ah oh ben oui, ben. On est des coups, mon gars. Mais t'avais qu'à pas lui dire, toi aussi. Je lui ai pas dit. Ouais, c'est ça. Non, hein, on n'a pas triché. Si. Merci, ma fille. Vous avez vu, ma fille, elle est pas menteuse. Elle ment pas. Bon, l'équipe, on peut pas se départager, on va pas aller chercher plein d'objets. Mais j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc, sur ce, l'équipe, n'hésitez pas à le faire chez vous avec d'autres objets parce que des fois, ça révèle des surprises quand même, parce qu'on a découvert quelques objets qu'on pensait qui coulaient, qui flottaient, et d'autres qui flottent, et en fait qui coulent. Donc ça nous a pas mal... On a appris pas mal de petites choses. Voilà. Donc l'équipe, sur ce, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner pour plus de vidéos. Ciao l'équipe. Ciao. Salut tout le monde.